Moi, je suis toute pimpante, mais eux, ils ne le sont pas. Est-ce qu'ils ont bien dormi? Est-ce qu'ils n'ont pas bien dormi? J'essaie d'être au mieux, quoi, souriante, pour leur faciliter la matinée, la journée. Allez, les croissants. Donc là, je suis sur place. Pendant que ça cuit, je me douche, je me prépare. Et quand je sors, normalement, c'est prêt. Évidemment, en me levant à 4 heures tous les matins, c'est beaucoup plus facile d'être sur place que de faire 10, 15 ou 20 km. Allez. Voilà les beaux croissants et plein au chocolat. Oui, ils aiment bien. Bonjour, oulala, je suis attendue ce matin. Hein. Bonjour, bonjour. Allez, c'est bon. Bonjour, hein. T'as bien dormi? On a bébé. Eh, ma foi. Alors, un allongé, le café. Tu veux un verre d'eau? Ben on discute 5 minutes. Et ça, ça vous plaît? Ben oui. On part bien. On part de bonne humeur. Tu finis demain? Tu rentres demain soir? Je rentre demain et je vais aller me reposer 15 jours. Ah, et oui. J'ai t'as fini, là? J'ai fini mes 15 jours. Ah ouais. Ils sont séparés de leur famille, donc il faut quand même qu'il y ait des moments de chaleur, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent comme à la maison, en fait. Il faut que quand ils se lèvent le matin, c'est comme s'ils étaient chez eux. Noisette, toi, tu as dit. On crée des liens, justement, avec les chauffeurs. À partir du moment où j'ouvre, je suis là pour les écouter. N'importe quoi qu'ils aient à me dire, quoi. Eh, hey, bonjour. Salut. Ça va? Il y a du monde ce matin? Ouais. Ils sont pas tous partis. Je vois, parce qu'il y avait la vaisselle. Hein. Bon, je vais déjeuner et après je... Après au fourneau. Quand on a un restaurant routier, ça fait partie de notre vie. De se lever tôt le matin, d'être à leur disposition finalement, de dire voilà, c'est ouvert, les toilettes, tout est propre, tout est à votre disposition, le petit déjeuner est prêt, comme à la maison en fait. Vous êtes servi rapidement, vous mangez très très bien et c'est pas cher. It's super. It's clean. Et voilà les jeunes. Merci. Bon appétit. Ça va pas mon truc, ça va pas putain. En fait, tout le monde veut du transport, tout le monde veut être livré demain, mais il y a de moins en moins de trucs pour les routiers. Moins on le jette, au plus on a une bonne marge, au plus on économise. Thank you.
Alors ce camion, moi je l'ai récupéré, il avait 20 000 km. J'en ai 647 558. Voilà, c'est quand même pas mal quoi. Dans mon camion, c'est les chaussettes. Les seules chaussures qui sont autorisées, c'est celles-là, voilà. C'est celles de mon fils. Oui, je suis plus souvent dans mon camion qu'avec mon épouse et mon enfant. Hein. Ma maison, c'est ici. Hein. Là, j'ai la coupure à faire, donc on va voir pour peut-être manger un petit morceau, voir ce qu'il y a. Ouais, c'est 5 euros, poulet rôti mayonnaise. C'est tout mou, c'est pas le pain qui a été fait ce matin par un boulanger. Quoi. Après, comme dit, ça dépanne. C'est triste. C'est triste. Ah, c'est vraiment de l'industriel, quoi. Un peu sec. Je cherche le poulet. J'ai senti la salade, mais le poulet, je sais pas où il est. Ça a pas de goût, quoi. C'est fade, la merde. Mais si on est condamné à manger ça tous les jours, ça sera moins drôle. Personne. L'ambiance, voilà, il n'y a aucun contact, il n'y a rien. Là, je mange, face à une machine à café. J'ai beau essayer de lui parler, elle ne me répond pas. Quoi. J'en ai pour 10 euros. J'ai mis 4 euros de plus, 14 euros, je vais dans le restaurant, j'ai entrée, plat, fromage, dessert, café, et assis, et de la vraie nourriture. Quoi. J'ai créé une page sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Un resto pour les routiers. C'est des chauffeurs qui m'envoient des petits messages. Tiens, Pépito, à tel endroit, il y a un restaurant, tu l'as pas sur la carte. Voilà l'adresse, voilà les horaires, on y mange bien. La page, oui, a permis de se rendre compte qu'en fait, il y avait encore une certaine solidarité sur la route, malgré tout. C'est que les réputations se font et se défont très vite. Elles se défont plus vite que ce qu'elles se font d'ailleurs. Parce qu'autant un restaurant pas bon, ça va se savoir très vite. Un restaurant très bon, il va falloir un petit peu de temps pour que ça se sache malheureusement. Bonjour. Bonjour. Aussi de manger ? Je vais vous laisser vous installer à une table individuelle, si ça va. Là-bas ? Allez, ça va, merci. On verra ce qu'il y a dans l'assiette, mais déjà l'établissement lui-même est sympathique. Donc, j'ai vu qu'il était ouvert pendant le Covid. Donc, ben, passons dans le coin, la moindre des choses, c'est vu qu'ils étaient là pour nous, ben, c'est les faire travailler. Quoi. Ils ont compris que ben, les routiers sans les restos, elle n'est pas l'un sans l'autre. Quoi. Monsieur ! Alors aujourd'hui au menu, formule entrée, plat, fromage, dessert, ça vous convient ? Ouais, ouais. D'accord, avec le café compris. Parfait. Voici, bon appétit. Merci. C'est super bon. Et du fait maison, il y a zéro souci là-dessus. Comment tu vas ? Ça va bien ? Ça va et toi ? Camion, je m'arrête. Comment tu as fait pour voir mon camion ? Il est discret, Quentin. Oh ben, il est assez facile. Hein. Ça, c'est impeccable. Merci. On reste typiquement. Oui, je fais. Pas mauvais du tout. À mon avis, ceux qui font les boulettes.
Ah, t'as pris exactement comme moi, en fait. Voilà. Ben oui, je fais comme toi. Si tu finis pas, tu me le dis. C'est ça, l'entraide de la route. Et aujourd'hui, on retrouve du lien social. Alors, comment ça s'est passé, messieurs? Ben, très bien. Ah, très, très bien. Oui. Ouais. Alors, ouais. C'est bien, si on peut vous faire plaisir. C'est même pas une question de plaisir, c'est une question de tradition chez vous. D'accord, c'est gentil, ça. Je dirais au cuisinier. Franchement. Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai marqué très bien mangé, je conseille l'arrêt. Avec des points d'exclamation. D'accord. Voilà. Par bouche à oreille, on m'a parlé de quelqu'un qui avait créé un groupe. Grâce à ça, j'ai fait virtuellement la connaissance de Pépito. C'est un petit enjeu quand même au plan commercial, quoi. C'est vrai qu'on a envie de faire bonne impression. Ouais, ça nous met un petit peu de pression, ouais, c'est sûr. Ils aiment bien que je leur tartine parce qu'ils disent qu'à la maison, leur femme, elle leur fait pas. Ah, mais je sais ce que je leur dis. J'ai dit, mais on est votre deuxième maison, hein. Merci. Voilà. Bon, est-ce qu'elles sont bonnes? Ouais, c'est bien. Je pense que ça fait un moment qu'on m'a pas besoin mes tartines, apparemment. Par chez vous, mes gamines qui le font. Voilà, le ponton sur Yonne fermé pour un an, qui nous bouffe 50% de la clientèle. Je sais bien qu'on ne peut pas empêcher les travaux, il faut bien que ça se fasse. Je suis d'accord, mais il y avait peut-être d'autres solutions que de l'interdire aux poids lourds. On n'est pas à l'abri de mettre la clé sous la porte, que tout ça se termine, et franchement, ça me ferait du mal de finir comme ça. Je vais attaquer mes croque-monsieur. Hop, hop. Je me suis dit que comme il faisait super chaud, pourquoi ne pas leur faire des croque-monsieur, façon Cyril Lignac, quoi. Un petit clin d'œil pour lui. Normalement, je suis en salle. Faire à manger pour 60-80 personnes, c'est un peu la cohue, quoi. Non, non, j'ai bien galéré. Oui, j'ai eu des loupés, hein, ça. Qu'est-ce que j'ai fait cramer? La pâtissière, je crois. Hein. La pâtissière, c'était ma pire ennemie, celle-ci. On la met en rôti et elle cuit pendant 4 heures et demie. On la laisse refroidir et on la coupe.
C'est plus facile à couper quand c'est bien froid que quand elle sort du four. Voilà, ça amène un petit peu d'amertume à ça. J'aime bien. Je mets ça, quelques carottes en rondelles. Il y a des gens qui viennent de très loin pour manger la tête de veau. On est encore à 80 kilos par semaine. C'est le plat préféré des gens qui viennent ? Oui. Dans le temps, la salle, moi, je l'ai connue archi pleine. Hein. Celui qui arrivait à midi et demi, il fallait qu'il attende dans l'entrée que les premiers partent pour pouvoir avoir une place. Moi, ça me plaît bien parce que c'est... On mange bien, c'est bien servi, il y a du choix, le prix est très raisonnable. Ben voilà, pourvu que ça dure. Voilà. Au revoir. Merci, bon après-midi à vous. Au revoir. €53 000 comme ça, on ne peut pas les sortir comme ça. C'est encore une taxe en plus. C'est du racket. Si on avait été dans Lyon, qui se trouve à 300 mètres, on aurait été exonéré de cette taxe et ça nous aurait vraiment fait du bien. On a essayé tout ce qu'on pouvait, que ce soit maire, député, il n'y a rien à faire. Quoi. Un menu rôti à 15 €, on ne fait pas trop de bénéfices dessus. Donc pour payer les taxes et tout ça, bah, pff. Moi je ne veux pas me lever à 4 h du matin, me coucher à minuit pour donner les 3/4 de ce que j'ai gagné à l'État. Quoi. Ça, c'est mort. Le Petit Périchois, c'est un endroit qui est connu. Les gens, quand ils passent par ici, ils savent que c'est ici qu'il faut manger. Voilà, bon appétit. Et puis, c'est encore l'ancienne version. C'est une taverne. Des routiers. Vous aimez bien la bonne bouffe, vous rencontrez, bien manger, rigoler. Voilà, c'est simple, vous avez la solution. Celui qui respecte ça, ben voilà, il a tout gagné. On s'accroche, hein. Non, je pense que... On travaille, hein, nous, donc c'est vrai qu'on a l'espoir toujours. Après, on n'est pas à l'abri, hein. C'est vrai. Hein. Qu'est-ce qui pourrait nous tomber dessus encore, hein. Tu recules, fille. Encore un. Et là, je les rabats vers le haut pour pouvoir retirer le fer. Ce matin, j'étais faire l'ouverture du restaurant. Bah, c'est moins fatigant que de faire les chevaux. Bah, au moins jusqu'à la fin de la semaine. Tiens, on va le mettre là. Regardez papa, maman. Ouais. Voilà. On va l'occuper. On va trouver des tatas. Tiens, chouchou. Tu la manges pas, celle-là. C'est Gwen qui a dit, écoute, le resto est à vendre, ça t'intéresse pas, tu voudrais pas qu'on le reprenne. Puis voilà, quoi. Ma fille me dit, je sais pas comment tu fais, à 55 ans, changer d'horizon, refaire autre chose. Elle me dit, je sais pas si je pourrais le faire, moi.
Mais bon, tant qu'on a la gouache. Un Perrier, s'il vous plaît. Un Perrier. Avec de la glace. Pareil. Je suis même contente que ce soit quelqu'un qu'on connaisse, quoi. Pourquoi? Bah, parce que c'est un peu notre bébé, donc du coup, on le laisse pas non plus à quelqu'un qu'on connaît pas. Le côté routier, je trouve, est plus sympa que le côté restaurant pur et dur, je pense. Ils ont un humour un peu spécial des fois, mais ils sont sympas. Sans café? Ah non, repas café. Je me permets de m'incruster? Oui, au contraire, vous voulez que je me pousse? Non, vous restez là parce qu'on va certainement discuter ensemble. D'accord. Certainement. Tiens, mon grand. Ça va, je trouve fait. Hein? Je m'appelle Vincent, on va voir pour travailler ensemble. Tout à fait. Hein? Je vais m'occuper plus ou moins de tout ce qui est commande et tout ça. Il n'y a pas de souci. Bon, je vois que vous faites des plats à tout près aussi, mais bon, ça ne m'intéresse pas trop. Non. Et puis c'est vraiment pas notre cœur de métier. Donc d'accord. C'est pas sur les produits où on est les mieux placés. Elle te dira nous, on sera vraiment... Oui, bien sûr, ouais. Ouais. On est vraiment le mieux placé sur la viande fraîche. Moi, je veux essayer de travailler un maximum de produits bruts. Oui. Hein. Tout ce qui est pâtisserie, Gwen adore ça, moi aussi. L'après-midi, on va faire de la pâtisserie, mais pour le lendemain. On veut rester dans la cuisine familiale. Non, c'est vrai, c'est oui. Oui. Tu tapes de la bavette, de la hanche et de l'onglet. Le ouais. Reste... Après, si je veux faire de l'entrecôte, je mets un supplément, par contre. Voilà, tu mets un supplément, ça, c'est bien ça. T'as l'expérience des clients et puis bon, comme t'es bavette, à la base... Bavette, c'est ce qu'ils adorent. Ouais. Voilà. Franchement, c'est ce qu'ils adorent. Ouais. Je vais dire, je vais essayer de vous la vigne. Ouais, on veut nous au maximum faire du fait maison, prendre des produits locaux aussi. Faut pas perdre chichi. Ça soit simple. Ah oui, de toute façon, voilà. Non. Si ça reste comme ça, ça va. Je pense qu'on va bien s'entendre déjà. Ça se voit. Oh ouais, bah ouais. Ouais, pas de raison. Hein. Gwen, je la connais. Je connais pas. Après, il va subir les. Il va s'adapter. Attention, il va subir les routiers. C'est vrai que la plupart des vrais habitués, entre guillemets, je les ai déjà vus souvent, ils sont sympas. Quand j'entends Gwen, là, aujourd'hui, parler, elle est plus timide d'habitude, et puis ça se voit sur elle qu'elle est timide, mais là, elle les connaît, donc ça va. Mais je compte beaucoup sur elle par rapport à ça. Si, ça va. Tu vas tout à l'heure. Bonjour, bonjour. Ça fait du bien d'être arrivé, hein, parce que... Vous allez bien? Ça va. Bon, bah, ça fait plaisir de vous voir. Oui, hein, nous aussi. Et c'est ça le fameux pâté maison? Pâté maison, ça, oui. Puis les rillettes, regardez comme elles sont belles. C'est un beau buffet, hein. Les gars, ils aiment bien. Un vrai routier, c'est un routier comme ici. C'est un endroit où le chauffeur il est passé trois fois et on connaît son prénom. Il y a un grand parking, il y a une grande salle, il y a un buffet de hors d'œuvre. Enfin, c'est un bon buffet d'hors d'œuvre. C'est un relais routier. Ça
Ça, c'est mon grand-père tel que je l'ai connu, moi. Hein, c'est mon grand-père, il doit avoir 70 ans au moins. Il y a des souvenirs. Il y a des souvenirs. Ils ne veulent plus, à l'avenir, être considérés comme des boucs émissaires et des gens sans importance. Ça commence en 1934 par la création d'un magazine, enfin d'un magazine, non, d'un journal qui s'appelle le journal Les Routiers et dont l'objectif était de défendre les chauffeurs routiers. Mon grand-père, qui est jeune journaliste fauché à Paris, qu'on a envoyé faire une pige, justement, on lui a dit tu montes dans un camion, tu vas à Marseille, tu fais aller-retour. Donc ça lui a pris 10 jours, je crois. Et il est revenu en se disant que les routiers, c'était des gens très sympathiques, mais c'était des gens très seuls, c'était des gens dont personne ne s'occupait. Et il s'est pris de passion pour les routiers et c'est comme ça que ça a commencé. Ils étaient classés par axes. Il y avait des axes de ville de province à ville de province. Là. C'est-à-dire que quand on allait de Paris à Cambrai, eh ben, on pouvait s'arrêter à Roye, à Péronne. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Benoît. Oui. Ça va, oui. Oui, il y a moyen de manger en vitesse. Oui, bien vite, allez, passe. Bon, d'accord. Merci. Ah, tiens, bonsoir Ramon. Comment ça va toi? Ça va et toi? Ça va bien. On n'est pas là pour manger un 5 étoiles. Quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver à trouver à manger à prix raisonnable par rapport à nos frais de route, être bien accueilli, avoir de la bonne nourriture dans l'assiette et sortir rassasié. Voilà. On va voir. On va essayer. On arrive dans un restaurant routier, mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Bonjour. Bon, la propreté, c'est moyen. Même les sets de table, ouais, c'est moyen. Quoi. Ah ben, c'est dans son jus. C'est pas neuf. Hein. On va donner un petit ravalement de façade. Bon appétit. Merci. Il y a une viande qui sont bien douteuses. Quoi. Là, non, là, malheureusement, il n'y a pas. Nous, c'est pas Vaucluse, c'est sûr. Oui, il y en a certains qui ont disparu. Là, ils ont disparu, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait le nécessaire aussi. Il y a aussi les patrons qui se sont tués tout seuls. Les sanitaires sont dans leur jus, on va dire, voilà, de la douche aussi. Non, ça a besoin d'un bon coup de pinceau. Pendant un week-end, le pinceau et refiler un coup, quoi. Ça serait quand même pas mal.
pense qu'il y a la pastèque et le melon. Hein. Alors là, on va faire un montage de crème de marron. Ça, c'est un dessert qui raffole aussi. Été comme hiver. J'aurais pensé qu'il ne mange que l'hiver, mais non. Crème de mascarpone montée en chantilly. Donc on va faire un fond de crème mascarpone. Tous les desserts sont faits maison. J'ai horreur d'être à la bourre tout ça. Moi j'aime que les choses soient calées, carrées. Je préfère me dire à 10h30 j'ai tout bouclé. Plutôt que de regarder l'heure en permanence, j'ai horreur de ça. C'est la même méthode que le buffet. Le client, il peut mettre, il mettait 4 aliments différents dans son assiette. Et bien là, sur le petit plateau, il va mettre 4 verrines différentes, quoi. En moyenne, on est entre 2 et 3 verrines par jour par client. On va renfourner les farcis qui cuisent dans le four à pizza, hein, c'est toujours meilleur. Voilà. C'est toujours meilleur quand ça repose. Avec un menu à 15 euros, je m'en sors parce que je cuisine, parce que je transforme, je retransforme. Et je pense que c'est ce qui fait ma force. Et j'ai été invitée en tant que cuisinière d'un restaurant routier. Je fais beaucoup de choses moi-même. Et comme ces chefs qui étaient venus chez moi l'avaient vu, hein, donc j'étais la seule qui n'avait pas d'étoile. C'est un souvenir inoubliable. Donc, j'ai eu l'honneur d'être aux côtés de monsieur et madame Macron, président de la République. Hein, c'est pas toujours que ça arrive. Donc oui, j'avais fait un honneur et une fierté. Je plie le linge des chauffeurs. Chaque chauffeur prend son tapis de sol. Et ça permet d'avoir toujours une douche propre au sol, puisqu'ils essuient à la fin avec. Pendant que les blancs en neige montent pour la mousse au chocolat, je peux plier le linge. Donc là, c'est pareil. Là. Chaque client qui rentre a sa serviette individuelle. Une fois que c'est lavé les mains, serviette individuelle. Et le panier de linge sale. C'est joli, c'est propre. Et ça, le routier, il le remarque. Il se sent reconnu. Et je trouve que c'est normal, quoi. C'est comme à la maison, il faut que ce soit propre. Hein. Il y a Geoffrey qui a appelé, savoir si... Allez, à nous, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Très bien, ouais, ça va, merci. Ouais. Les moules? Ah oui, deux moules. Un, deux. Qu'est-ce que vous voulez boire à table? Du coup, c'est le client chez moi n'est pas un pion, hein, parce que je vous dis, même si je le vois que deux fois par an, je le reconnais. Des fois, je ne me rappelle pas d'où il arrive, mais je sais qu'il est déjà venu. Voilà, santé. D'être reconnu, je pense que pour un client, c'est important. Eh, c'est coloré, c'est l'été. Hein. Ah ben oui, attends. C'est mieux qu'à la maison. C'est pas du light. Hein. C'est pas du light. La farce, elle n'est pas sèche, elle est très bonne. On est à 2 km de la maison, mais on préfère manger là. Si j'avais que les routiers le midi, mon commerce serait fragilisé, quoi. Alors qu'en travaillant avec des locaux, des entreprises, un chantier par-ci, un chantier par-là, donc je diversifie ma clientèle et du coup, j'ai plus de clientèle le midi que le soir. Oui, oui, c'est très bon, plus que parfait même. Hein. Regardez, une tarte au citron revisitée, c'est excellent. J'aurais pas pensé, mais c'est vraiment, vraiment très, très bon. On n'est pas sandwich sur des herbes d'autoroute. C'est pas bon, c'est... À 7 euros le sandwich, il n'y a rien dedans. Non, je suis désolée. Vous rajoutez 7 euros ici, vous vous régalez.
les clés du resto? À la patronne. À la patronne. Bien joué. Merci. Bon courage. Bah là, pour le moment, le restaurant, il appartient à la banque. Dans 7 ans, il sera complètement à nous. Allez, on s'en fout. Les femmes d'abord. Ah non, 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 tu es propriétaire maintenant. Oui. À votre nouvelle vie? À votre nouvelle vie? On se regarde quand on va à Tidji. Bah, pas le bisou, hein, si j'appelle ma femme. À notre retraite, nous. À notre retraite. On en est loin, mais où? Non, mais en espérant que... Bon courage à vous. Bah, bon courage, quoi. Tout va bien. Ouais, t'inquiète. Y'a pas de raison. Si on fait à deux, il faut deux rouleaux, sinon oui. Il y en a un qui regarde l'autre. Non. Tu me mets de la peinture partout, tu commences. Mais ses parents sont toujours là, dès qu'il y a des trucs à faire comme ça, ils sont toujours là. Et puis faire venir une entreprise, quand on vient de dépenser je ne sais combien pour acheter le restaurant, on se dit on va éviter d'investir. C'est pas évident aujourd'hui, Covid, changement de métier, d'avoir des prêts par les banques. Bah, on n'a pas le choix de faire soi-même, parce que sinon, on n'a qu'une semaine de fermeture. On se couchera tard, on se lèvera tôt, mais on aura fini. Le restaurant, c'était pas très propre à la base. Il faut qu'on passe le plafond ici aussi. Putain, il y a des araignées. Et t'es sûr que blanc, c'était une bonne idée? Bah, on a l'impression que c'est tout neuf quand c'est blanc comme ça. Ah ouais. Hein? Ça s'écaille, et donc si ça s'écaille, ça risque de tomber du mur. Si ça tombe du mur, ça peut tomber dans les assiettes quand on prépare à manger. Ouais. Bon, faut réfléchir un petit peu, là, hein? Ah, ça me dégoûte. Ils sont pourris, ils sont vieux, ils ont fait leur temps. Ça va pas, mon truc, ça va pas, putain! Faut que j'agisse différemment. Effectivement, c'est un autre monde, c'est autre chose, mais non, je pense que c'est pas en conscience. Se mettre sous un cheval, c'est dur. Vous l'avez vu, hein, quand vous êtes venu avec nous, et encore, ça marche pas bien. Il a tout cassé. Tu le veux, ton fils? Viens, son fils. Viens, son fils avec sa mère. Même si on a une amplitude horaire au niveau du restaurant qui est importante, quand il n'y a pas de clients, ils peuvent très bien être avec nous. On va pouvoir, un ou deux, passer du temps avec eux, soit le matin, le mercredi, aller au poney pour la petite. Lui, on verra plus tard. Enfin, s'occuper d'eux, ça, on aura le temps de le faire. Voilà, là, ça devrait tenir. Parce qu'ils descendent plus, là. Des liens aussi, hein, même s'ils sont des comme moi, des commerçants, on crée des liens. Donc voilà, par habitude et par amitié, on essaye de faire tout ce qui est à proximité. Allez, aux achats. Hola, hola. Ça va? En forme. Ouais. Allez, 6 melons, 2 pastèques. Pastèques? Pas de problème. Pastèque France, hein? Voilà. Cœur de bœuf, c'est bon? Exactement. Allez. Claudia, elle sait toujours ce qu'elle va faire. Tu me feras une petite note? Une petite note. Ça
Salut, ça va? Ça va? Ouais. Tu vas me mettre deux rouges, deux rosés et deux blancs. D'accord. Ok, comme d'habitude. Alors. Comme d'hab. Tu vas voir, ça va être sympa. Allez. On va goûter ça. C'est gentil. Voilà, ça va très bien. Et ça avec le fromage aussi. On va chez pour boucher. Ouais, c'est pas mal ça. Je touche le litre à 1,40. Et donc, quand on vend un demi-litre de vin, un 50 centilitres à 4 euros, on s'y retrouve. C'est un très bon rapport qualité-prix. Hein. C'est pas cher, le quart de vin, 2 euros. Quoi. C'est le prix, c'est plus bas qu'un coca ou qu'une bière. Ça marche, voilà, au goût, évidemment, parce que le vin est bon. Les touristes qui le boivent, il y a un bon retour. Donc, du coup, c'est vrai que ça fait aussi une publicité, hein, des fois, qui est quand même assez... C'est pas mal, quoi. Hein. C'est gagnant-gagnant. Voilà, c'est le deal, quoi. C'est bien pour le menu ça, que j'ai sorti, c'est parfait. De toute façon, les routiers, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils voyagent de par leur métier. Ils sont dans la France entière. Et c'est eux qui colportent la bonne parole, on va dire. Puisque quand ils parlent du vin du 64, ils disent « Ah, le vin est bon, mais oui, mais il est pris à la petite cave de là-bas, et c'est un bel local, et c'est très bien. » Donc, ça fait notre publicité, on va dire, dans la France entière. Alors, je vais faire un plat de lasagne. Les lasagnes, pourquoi? Bien parce qu'il me restait de la farce, donc je l'ai agrémentée de tomates. Quand il y a reste, automatiquement, ça part dans autre chose, quoi. On est dans l'anti-gaspi. Ça fait partie du concept de la cuisine. Hein. Au moins on jette, au plus on a une bonne marge, au plus on économise, au plus on rentre dans les clous du menu à 15. Hein. Il faut y penser à ça. Hein. Même, ça se fait pas de jeter, quoi. Ça fait pas partie de ma vie, quoi. Ça, je sais que la lasagne à midi, ça part, quoi. Il faut que ce soit bon, quand même. Hein. Alors, l'escalope, elle est ici. La tourte, elle est là. Voilà. Les patrons, super sympa, super, super bonne assiette. Voilà quoi, ça suffit. Ça suffit. Une bonne cuisine, comme on aime bien. Puis bien sûr, l'accueil du patron, de la patronne. Un service rapide, efficace. Puis bien sûr, les douches, ce qu'on aime bien, nous les routiers, se détendre le soir, se laver. On revient même quand on travaille pas. Non, maintenant, impatient qu'il y ait du monde qui arrive. Oui. Ça va occuper et on pensera à autre chose. Bonjour, ça va? Salut, Diray. Ça va? Ça va et toi? Le menu, je te l'ai mis là. Là, filet mignon de porc. Tu fais une sauce à base de courgettes et tout ça. Il y a des courgettes, il y a tout ce que tu veux. J'ai nettoyé l'intérieur de tes micro-ondes parce qu'ils étaient dégueulasses. J'ai pas mis aujourd'hui. Je vais voir comment ça se passe. Je suis un bon courant. Tu veux que j'en fasse la maillot? Ok, ben je te fais une maillot. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Non, oui, cette petite salade. Elle sent bon, en plus. On va voir ce que ça donne, après. Ah bah, ça va coller, hein. Ça colle, Anatole. Et joli, le phare maison. Oui.
abricot, oui. Voilà. Bonjour. 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 Ça va? Et vous? La première journée. C'est ça. Ça se passe bien ce matin. Et ça, c'est l'apprenti. C'est ça. Bon appétit. Et Martine? Merci. Voilà. Merci. Là, je vois des légumes, ça change des frites. Hein? Moi, j'aime bien. Hein? J'aime bien la présentation, j'aime tout. C'est confit, c'est bon, il y a une bonne sauce, c'est chaud. Pour oui. Le prix, c'est vraiment parfait. Ça vous convient ou pas? Oui. Oui. C'est très copieux. Hein. C'est délicieux. Un petit peu de légumes, ça fait du bien. Oui. Ça ouais. Non, mais il y en aura tous les jours des légumes. On va pas faire frites et pâtes tous les jours. C'est très bien. Ouais. Voilà. C'est le routier traditionnel comme on aime bien. Voilà. Sympathique, bonne cuisine et pas trop cher. C'était bon? Ah oui. Le phare breton, nickel. Tu viendras. Oui. Quand tu dis que c'était bon, ça me fait plaisir. Ah oui. Oui, c'est positif, on va... Faut le temps que les gars sachent que c'est réouvert aussi. Donc, oui. Donc non, je pense que c'est positif. Oui. Ils ont l'air satisfaits. Santé les patrons. Le masque. À votre travail, à votre réussite. On va faire la nouvelle carte ouais. Pour le mois prochain. Pour les entrées, on rajouterait terrine de pied de cochon, le toast avec ah, du réfort. Le toast grillé pied de cochon, il sera bien. Le friso à lardon, elle marche très bien. Ah mais si, on va rajouter aussi les œufs meurettes. Ouais. Les pommes de terre tièdes avec l'ajout de bœuf confite. Ouais. Les routiers, c'est un label qui parle beaucoup à une génération qui peut être la génération de nos parents, par exemple. Donc... ça rappelle un restaurant où on mange bien, où on est bien accueilli, où il y a une bonne ambiance. Et c'est vraiment l'image qu'on voulait trouver. Et ça parle tout de suite, en fait. Les clients, quand ils s'approchent, ils voient ce logo et ça leur parle tout de suite. Ils ont dit oui, ça a du sens, juste par le fait que c'est une bonne cuisine maison, une bonne cuisine familiale. Et l'esprit qu'on retrouve dans les routiers est présent, même si, en effet, on n'accueille pas tous les jours des poids lourds et qu'on n'a pas des douches ni un vestiaire dans le restaurant. Ça nous est arrivé de recevoir des anciens routiers. Et quand ils passent le pas de la porte, ils disent « Mais c'est incroyable, ça me rappelle vraiment les routiers dans lesquels je m'arrêtais quand j'étais plus jeune et ça fait plaisir. » Le maillot, c'est un classique incontournable. Là, ils sont magnifiques. Sans chichu, oui. Ah, y a une ambiance sympa qu'ils ont su conserver. C'est vrai qu'on a plaisir, même à Paris, à retrouver ce type de restaurant. Moi, j'ai pris des rognons à moutarde à l'ancienne. Et en fait, concrètement, nous, c'est notre repas familial du dimanche depuis que je suis petite. Donc là, je suis juste à la maison. Ah, voilà.